Je vous souhaite la bienvenue dans cet hippodrome de Cabourg pour notre 41e congrès de district. Georges Delbacq, le PZ de la zone 51, Georges-Claude Gallet, et les deux présidents de club organisateurs, Emmanuel Poc du club de Cabourg et Gérard Duval du club de Caen-Léopard. Et je passe la parole à nos amis organisateurs. Vous y êtes dans ce temple du trot à Cabourg. Vous y êtes entre ciel et mer. Vous êtes dans cette station balnéaire au charme suranné de la belle époque. Bienvenue à toutes et à tous à Cabourg. Il a officiellement ouvert le 41e congrès des Lions Normands. Et vous remercie tous de votre présence. Servir dans tous les domaines, la santé, le développement économique, l'enseignement, l'éducation. Vous nous avez apporté, en le concrétisant à Cabourg, le sens de l'initiative. Donc, monsieur le maire, tous mes voeux pour vous, pour votre action et au plaisir de ce moment. Depuis notre dernier congrès, malheureusement, plusieurs amis nous ont quittés. Donc, en leur mémoire, je vous demande de vous lever pour écouter Madame Sophie Goubi. J'espère, puisque je sais qu'il y en a un certain nombre, je leur demande de se lever. J'y tiens beaucoup au débat, j'y tiens beaucoup. Garder dans les clubs, je dirais, la bonne entente, c'est fondamental. Donc, merci de votre accueil, et puis bonne continuation à tous, parce que ce que vous faites est formidable. Donc, pour commencer, je vais appeler Tim Green, du club de Vimoutiers-Vallée d'Auge, qui va vous présenter le deuxième vice-gouverneur. En tant que président de Vimoutiers-Vallée d'Auge, j'ai le privilège de vous présenter la candidature en qualité de deuxième vice-gouverneur, notre ami Jacques Martin. Né en Haute-Normandie, mais formé en Basse-Normandie, Lyon depuis 1978, il a passé par les offices de secrétaire, trésorier et président, avant de nous servir deux fois comme PZ. Membre des commissions nationales de l'action sociale et de l'humanitaire, il est devenu correspondant Lyon Alzheimer. Chers amis, votez Jacques Martin. Bravo! Je suis fier de vous présenter la candidature de Dominique à la fonction de vice-gouverneur. C'est avec une joie profonde que je témoigne devant vous, chers amis du district Centre-Normandie, du potentiel de service, d'humanisme, d'efficacité que représente Dominique, en qui personnellement je place toute ma confiance
que je vous remercie tout à l'heure par votre vote de partager. Vous dire ensuite ma motivation. Quelle peut bien être l'ambition d'un lion désirant apporter à son district des éléments de progrès? Eh bien, à mes yeux, c'est la formidable expérience des visites des autres clubs de notre district, mais aussi de tous ceux que j'ai pu rencontrer dans d'autres régions de France. De ses origines cauchoises, il a su conserver le sens des réalités et du concret dans l'action. Oui, Jean, à Rouen-Vallée de Seine, nous sommes convaincus que tu sauras conduire notre mouvement pour que, en Normandie, il soit toujours plus attractif, et on en a besoin, toujours plus ouvert pour, dans cette société en évolution constante et en capacité d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous devons redéfinir nos priorités. Poursuivons nos actions humanitaires, bien entendu, puisque nous y sommes très forts. Communiquons plus en externe. Nous faisons beaucoup de choses et souvent la presse est absente. Je vous propose de faire un bout de chemin ensemble. Par avance, merci de votre confiance et que vive le Lions Club International. Merci encore à vous pour ces instants de grand bonheur. Dans ce monde actuel qui n'est pas forcément enclin à la sérénité et à la paix, j'y ai retrouvé beaucoup de convivialité et d'amitié. Vous avez été le moteur de mon année de gouverneur. Tout d'abord, féliciter Jean-Pierre, Marie-Josée, mais aussi, mais également le contrôleur des comptes, pour nous avoir sorti dans un délai record le bilan 2010-2011. Jean Couillard est élu gouverneur pour l'année 2013-2014. Dominique Mallet est donc élu premier vice-gouverneur pour l'année 2013-2014. Jacques Martin est élu deuxième vice-gouverneur pour l'année 2013. Merci Anne. Bien écoutez, félicitations aux nouveaux élus. Et pour ce faire, je vais appeler d'abord notre deuxième vice-gouverneur, mon ami Jacques Martin, qui va peut-être vous dire, je pense, quelques mots. Par contre, je ne peux pas vous donner de programme, comme je vous ai dit ce matin, mais je vais vous donner mes objectifs. Mon premier objectif, tout simplement, conserver, voire améliorer nos 3 A. C'est peut-être la mode, mais les 3 A du humanisme, c'est amitié, action et aide. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié est le ciment de notre association. En conclusion, je soutiendrai au maximum nos clubs, que tous nos clubs soient conviviaux, efficaces, afin de conserver leurs 3 A et que les 3 A soient en majuscules, en gras et en surligné, et je m'appliquerai à faire rayonner l'unionisme. Je vais appeler maintenant Dominique s'il a quelque chose de bref à dire. Oui, comme je me suis déjà exprimé un petit peu plus ce matin, eh bien, j'avais sollicité votre confiance, vous me l'avez donnée, eh bien, je vous en remercie tous. De te remettre devant tous nos amis ton insigne de second vice-gouverneur. Bravo à notre gouverneur et à l'équipe dirigeante et à l'équipe d'organisation pour un très très bon congrès. Et ben, je vous souhaite de rentrer chez vous sain et sauf. Grâce à la sécurité routière, vous n'aurez plus d'accident. Nos deux âmes de l'ombre, Jean-Claude Sadrin ici présent et Éric Baudouin du même club à côté, qui sans eux, nous n'aurions pas eu la qualité de transmission que nous avons. Je vous remercie.
Donc je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de la chaleur qui émane de vous en général quand on est ensemble. J'appelle maintenant les équipes de Cabourg, de Caen Léopard à me rejoindre. De tout mon cœur, les amis, vraiment, merci, merci, merci. Vous nous avez offert à tous un très bon moment.